Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va, bienvenue pour un nouvel épisode sur Starfield. Donc aujourd'hui on est arrêté la dernière fois sur la rencontre avec Mamie là. On va la contacter. Je déteste parler trop longtemps dans cette machine. Venez donc à bord. Je vous écoute, capitaine. Allez. Allez, hop, alors, qu'est-ce qu'elle veut? Et ils sont verrouillés. Voilà, donc alors. Bon. Faut aller à l'étage. Encore. Où est-ce qu'elle est? Bon, personne ici. Y a personne, c'est quoi ce bordel là? Ah si, elle est là. Grand-mère. Eh bien, bonjour. J'espérais que vous viendriez me voir. Le pire dans les voyages spatiaux, c'est de devoir manger seul. Je mangeais tous mes repas avec ma moitié autrefois. J'ai préparé plein de choses. J'espère que vous avez faim. Politique. Qu'est-il arrivé à votre mari? Le temps. Voilà ce qui lui est arrivé. Il a vécu une vie bien remplie. J'ai toujours dit à mes enfants que la vie est une maladie sexuellement transmissible qui est fatale à 100%. Ils détestaient que je dise ça. C'est un plaisir de vous rencontrer. Tant de formalités. C'est un plaisir de faire votre connaissance. J'ai enfin pris ma retraite l'année dernière et depuis, je voyage partout. J'aurais bien voulu faire ça quand j'étais plus jeune, mais je vais pas me plaindre. Mes petits-enfants sont terrifiés à l'idée que je sois là. Totalement flippés. Vous n'imaginez même pas les gens que j'ai pu rencontrer. L'espace est dangereux. J'ai de bons boucliers et toujours assez d'hélium 3 pour m'astroporter en sécurité. Je fais attention. Alors, que pensez-vous des systèmes occupés? Je n'arrive pas à croire qu'il y ait autant d'étoiles, de planètes et de lunes. J'ai la tête qui tourne rien que d'y penser. J'adore ça, c'est là, c'est vide. À qui le dites-vous? J'ai bien peur d'être fatigué, trésor. Je suis au bout d'une très longue journée. Mais n'hésitez pas à embarquer un petit tanka pour la route. J'en ai plein en stock. Ok. Bon. Je vais juste aller faire une petite sieste.
Bon. Ok, allez, on se casse. Donc là, c'est fermé. Ok, bon. Alors, Aranaï 3. Allons voir ça. Donc, fer, hélium 3. Il n'y a rien de spécial. Pas de faune, pas de flore. Allez. Bon. Alors. Si t'atterrissais juste derrière. Ok. Structure, la basse structure. Ça va le faire. Une structure là-haut. Bon. Encore une autre. Repère naturel. Allez. Voir la caisse ici. Bon. On va voir le site. Il y a un vaisseau. Flotte écarlate. Là-bas. Touche pas d'ici. Ok. Personne d'autre. Un cadavre n'a plus besoin de rien dans notre monde. Le vaisseau va décoller. Même pas. Bon. Alors lui, alors. Bon, allez. Alors.
Un écorcheur pirate. C'est bon. Alors lui. Ah, 109 la combinaison. Elle est pas encore suffisante. Rien. Casier du capitaine. Oh. Allez. Bon, où est-ce qu'on va aller du coup? Encore chercher après l'hélium 3. Ah. Là, l'hélium 3. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Ah merde, encore des robots. Non, pas scientifique. Ouais. Autoriser les travailleurs humains, désactiver. Voilà. Hop, voilà. Ça c'est fait. Ici. Solstice 33, on s'en fout. Voilà. Remettons ça vite. Alors... Voilà, pour les crédits... Allez. Ensuite. On va aller voir la structure là-bas. Alors. Poste industriel. Ok, personne ici.
Bon. Là-bas, il y a un vaisseau. La Hulker. Bon. Ouais, une structure là-bas. Ah. Mine effondrée, d'accord. Pansement. Réservoir magnétique. Ok. Grâce à la formation de survie de Lucé, je sais que les grottes permettent de s'abriter des radiations cosmiques et des éléments. Grenade, grenade. On prend. Bon. Il n'y a que des cratères ici. On va voir. Ouais, que des cratères. Donc on va aller à... On va aller ici. Aranaï 4. Allez, on va scanner. Hop, on récupère les données. Donc alors, on va aller sur 4B, 4A. Donc la 4A a été analysée, donc c'est bon, on n'a pas besoin d'y aller. 4B, 4D. Et là-bas, 4C n'a pas été analysé non plus. On va aller ici. Bon. Débris de vaisseau, pose d'écoute. Alors, 0,43 de gravité, pas de faune, pas de flore. Hélium 3, fer et alcane. Bon, alors, belle teinte. Donc là-bas, une tour radio. Quelque chose d'intéressant à apporter? Bon, le poste d'écoute est derrière là-bas. Déjà ici. Là, les alcanes ici. Voilà. Ça y est, on est tranquille. Ah d'accord, le poste d'écoute est en haut complètement. Bon. Là-bas, une structure. Allez,
Bon. Vagabon pirate. Alors la structure là. Ah. Une station relais désertée. Et à niveau 32. Non, ça passe pas à travers les carreaux. Donc alors ici. À l'attaque. Kit de soins, Maelstrom. Ici. Beowulf, hein, il fait combien? On approche. Face à une autre cible. Alors toi, crédit grenade. Je savais que je te trouverais. Tu veux rien. C'est une perte de temps. Allez, ça dégage. Ici, d'urgence, on s'en fout du restant. Alors, mission explosive, 5600 crédits, mine à fragmentation. Ok. Poulie T.
Attends, on prend. Non. Bon, pour l'ouvrir ici, ça sert à rien, il n'y a pas grand chose. Le solstice peut-être. Même pas. Ici on a un régulateur. Waouh, de toute façon on n'utilise pas trop les armes de poing. C'est pas mal. Bon. Un sac, on s'en fout. Il y a encore une structure à 700 mètres. On va aller voir. Alors, garnison de l'éclipse désertée. Niveau 18. Sur 4C. Alors, ici c'est qui? Vaisseau de la Galbanque. Alors, cuivre et puis de l'eau. Laboratoire Mubridge. Allons voir ça. Bon.
Bon. Alors, est-ce qu'il y a autre chose dans le coin ici? Une autre structure. On va y aller là-bas. Ah, encore une station relais désertée. Bon, il n'y a rien de spécial. On va chercher de l'oyeur. Alors. Un seul trou et c'en est fini. Alors, ça aurait pas être trop compliqué à trouver. Là-bas, une structure. Un repère naturel. Allez, on va aller là-bas. Ah, là-bas. Il va là-bas au niveau de la structure. Bon, on ira voir après. Sauf s'il décolle. Alors, est-ce que c'est toxique ici? Non, c'est complètement gelé. Donc ça va. Ici, c'est gelé. Alors, niveau 5, on peut y aller. Allez, allons voir là-bas. Ouais, toujours pas d'eau, c'est bizarre ça. Attends, je suis dans une zone. Ah si, ça y est. Voilà. Ah, c'est un avant-garde de Lucie, donc ça va. Usine de transformation. Alors ici on a quoi? Non. Alors les crédits. Combinaison spatiale Deep Core. Ah, caisse de crédit Nagal Bank. Allons prendre. 5081.
Bon. Bon. Allons voir ici, 4D. Alors, eau et cuivre. Allez, on va se mettre, là. Hein. Son colline gelée. Structure. Donc le cuivre. Là-bas. Deuxième structure civile. Là derrière une autre structure. On va aller voir. Ah, l'eau elle est là. Voilà. C'est quoi, c'est un campement isolé? Campement de fortune. Il y a une sculpture. Bon. L'enduit. Bon, y a personne. On va aller là-bas, à l'autre structure civile. Voilà, là, c'est la base qui est enclavée entre deux parois de montagne. Encore une autre structure, encore civile. Récupérer une mission d'élimination. Déjà les vaisseaux, on va le prendre. Les corsaires pirates sur 4B. Ok. Salut. Vous devriez vous marchons. Armer si vous traînez dans le coin. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Je peux jeter un œil. Avoir un vaisseau en bon état, c'est une question de vie ou de mort ici. Est-ce que vous avez besoin d'aide? On n'embauche pas, si c'est ce que vous me demandez. Mais si vous cherchez du boulot, allez jeter un œil au tableau de mission. Il y a toujours des contrats pour un vaisseau et son équipage. Ok, bon. Vous avez un kit de soins? Vous devriez toujours avoir un kit de soins sur vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a en armes? Ouais. Non, combinaison, non. Sac, non. Casque, non plus.
Ah, il vend pas, il vend pas d'adhésifs. Ah, tant pis. Soutenez les colonies indépendantes. C'est nous qui rendons cet endroit vivable. Allez, go. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Campement isolé cette fois-ci. Bon, il n'y a personne. Bien sûr, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon. Oh, y a rien. Allez, on va retourner à 4B. Ah, bah, je suis bien fait d'y aller. C'est là-bas qu'il faut... C'est là-bas qu'est la cible. Encore deux là. Allons-y. Et bon. Je vais te descendre. Donc il y a quoi ? Cartouche ? Non. Il y avait quelque chose de valeur ? C'est fini pour toi. Alors ici, bon. Donc on pourrait mettre ça. Non, on peut pas mettre ça. Ça.
plus celui-là. Comme ça. Ensuite. 3 plus 2. Ça peut être ça. On va tenter le 1. N'importe où être. Non. On peut mettre ça comme ça et ça. Alors, tac, ça on prend. Ça on prend. Ça on prend. Ok, non. Boum. Non, il n'y a pas de gazpacho. Le Beowulf, non. Alors. Deux plus trois. C'est là, c'est pas la peine. Donc il y aurait celui-là. Et celui-là. Et ensuite, celui-là, non, celui-là. Là comme ça, non, ça marchera pas. On va le mettre comme ça, ouais, et comme ça. Alors ici, tac, porridge. Oh. Ici, d'ailleurs. Je vais crever. Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Je vais crever de quoi?
toi. Laissez tomber ces trucs inutiles. Boum. Alors toi. Non. Allez, on continue. Ensuite, alors. Ah, ok, ouais, c'est dans cette pièce-là, d'accord. Donc là, il n'y a rien de plus. Au fond, il y a un coffre. Ici, cartouche. D'urgence. Alors ici, Futcha du vieux monde. Ah, le Maelstrom de 26, ça je vais le prendre. Alors, cartouche, grenade. Ici. Alors,
Donc, cobalt, on s'en fout. Matériaux structurels, on peut prendre ça. Casque, oh, pas intéressant. Ok. Alors ici. Deux plus trois. On va mettre comme ça. Voilà. Après ici. Mettre comme ça. Non, ça va pas aller. Si je le mets comme ça. Plus ça. Si je le mets là. Ouais. C'est bon. Donc après je vais remettre celui-là. Et celui-là. Voilà. Les crédits. Donc là non. Alors ici, donc du coup, ici le coffre. Donc celui-là va pas au premier et celui-là va pas au premier. Non, celui-là pas au deuxième et celui-là pas au premier. Donc automatiquement on a celui-là qui va là. Et ici. Et après donc là, automatiquement ici. Et ça, là. Créer, on prend les crédits. Ok, go. Allez, on se tire. Bon. On va détruire le vaisseau, là. Allez, c'est parti. Il va faire qu'une bouchée. Nous avons touché leur intromoteur. Et hop, ça y est. Voilà. Allez, on va, du coup, on va se faire ici Arana et 5 pour terminer. Bon, il n'y a rien de spécial. Oh là, et c'est reparti. Est-ce qu'on peut ça. Vous dédommager d'une quelconque manière? Pièce détachée. Prenez soin de vous. Voilà. Ah, on va voir lui déjà. Super refroidi, bon, tant pis, allez. On va voir la planète. Ah, il y a un débris de vaisseau ici. On va déjà scanner. Où est le plomb? On va se mettre là. C'est très bien.
Alors. Structure par là. On va aller là-bas. Jackal spatial, attention. Ok. Donc. De l'eau, toujours pas. Ah, là il y a de l'eau. Vous voyez quelque chose d'utile? Bon, ben voilà, c'est bon. Allez, on va quitter ce système qui est pas très très intéressant. Direction Altaïr, niveau 15. J'ai des choses pour vous. Alors... Ici l'avant-poste de recherche U309. À tous les vaisseaux de libération, nous subissons un feu nourri. Des spatiaires hostiles prennent d'assaut notre position sur Altaïr 2. J'ignore combien de temps nous allons pouvoir tenir. Le temps nous est compté. Soldats Mahoney, terminé. Ah, c'est... on est dans le bain tout de suite, là. Altaïr 2, le 10. Là, on va y aller. Alors, en poste de recherche U309. Est-ce qu'on a une mission là-dessus? Fantassin. Qui disent j'ai capté un appel de détresse envoyé par le soldat Mahoney à un avant-poste de recherche de la Confédération Liberastra. Ils ont besoin d'aide de toute urgence. Mort.
Je vais t'exterminer. Ah, ça passe pour là. Wow, où est-ce qu'ils sont passés? Non, ça passera pas. Alors ici. Alors. 110 à la combinaison. Ça monte tout doucement. Enfoiré. Il y a des bestioles ici. D'accord. C'est vous qui allez transporter ce truc dégueulasse, hein? Faune, 5 faunes. Il n'y a pas de flore ici. Il y a 4 ressources, 3 traits. Il y a du boulot sur cette planète. Nouvel style de base. Scientifique. Un aligneur. Kit de soins antibio. Bon. Ah, c'est qui ça? La marine.
L'étage. Passe de la sécurité U309 uniquement. Si je prends le tournevis, non, ça débloque pas la porte. Ça aurait pu être intéressant. Bon. J'ai envie, le passe, je l'aurai de l'autre côté de la porte. Nécessaire passe. Ah, en fait, c'est là, c'est la porte là en fait. Ok. Faut que je trouve le passe. Demande de conscription de renfort, tiens. Je crois que vous ne saisissez pas la gravité de la situation. Nous ne pourrons pas attendre une semaine. Nous ne pourrons même pas attendre un jour. Nous avons besoin de renfort maintenant ou ce sera. Je sais pas. Ah. Kit de soins. Il y a quelqu'un là. Crédit. Question de renfort, peut-être deuxième partie. Ah bah non, c'est le même. Ici. Crédit.
Orion. Grenade. Allez, on descend. Oh, ici des crédits, ok. Continue ici. Oh, merci. Je me disais bien que la cavalerie rappliquerait si je m'égosillais à la radio. J'attendais une milice de Liberastra, mais je ne ferai pas la fine bouche. Je suis ranger aussi de la Liberastra, moi. Je suis soulagée de vous voir. Avant que les spatiaires ne déboulent, je transmettais les ordres pour le lieutenant Torres. Torres est un bon supérieur, mais sans les marines de l'UC, on serait tous morts. Et ça me coûte horriblement de le dire. Donc attention si vous croisez un marine. Ne tirez surtout pas, c'est un allié. J'aurais jamais cru voir l'UC et Liberastra travailler main dans la main de mon vivant. Les temps changent, vraiment. Compris. Alors première chose, cette infirmerie de fortune ne tiendra pas le coup. Ils se sont installés au rez-de-chaussée, au PC sécurité. Tout le bâtiment est verrouillé, vous devrez trouver un moyen d'y accéder. Voyez avec... les amas. C'est la seule personne entre eux et... Enfin, vous comprenez. J'arrive à t'en dire... J'espère que tous les autres ne sont pas morts. Ça ne sert à rien de jouer au héros. Un soldat mort n'est d'aucune aide. Éliminer les spatiaires autour de l'infirmerie. Ok. Ok, ok, ok. Si les spatiaires avaient réussi à pénétrer dans l'infirmerie... Les amas est un docteur de l'UC. Il est en bas avec le docteur Moussa. Le lieutenant a ordonné le confinement au moment où les spatiaires ont envahi l'avant-poste. D'accord. Les portes se sont fermées et j'ai été séparée de les amas. Mais j'ai continué à envoyer des messages de détresse. J'ai réussi à me cacher juste avant que les spatiaires ne débarquent. D'accord. Merci pour tout. Allez, on y va. Cœur plus. Ne prenez pas de camelote. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Alors...
touche. Ça non. Où est-ce qu'il est parti ? Qu'il te soit. Donc, il va être par là. Normalement. Ici. Vous savez pas à qui vous avez appelé. Ah, ils sont encore. Ouh, voilà, ils sont une. Oh, ils sont une paire. Allez. Donc là-bas il est trop loin. Ici. La marine. Ah, encore clé de l'UC nécessaire. Bon, c'est bon là. Alors, cave 50. Une espace à proximité des armes permettra de la déverrouiller. D'accord. Ici, il n'y a rien. Aligneur. Je cherche des fois qu'il y aurait la clé sur un des cadavres. C'est par là, mais... Aigneur...
projecteur. Encore un ailleurs. Des crédits. Ça doit être ouvert. Il n'y a plus personne normalement. Ah, là c'est bon. C'est la fin. Caporal Lezama. Vous le prenez pour un spatiard? C'est lui qui les a tous éliminés. Caporal Lezama, médecin des marines de l'UC. On vous croyait mort. Et voici le très estimé docteur Moussa, c'est ça? On s'est invité à sa fête. Le soldat Mahoney m'envoie. Mahoney est une machine. Elle s'est écrasée sur ce rocher et ce... Mais de toute façon, que faites-vous ici? Docteur? Docteur? Oui. Pardon. Oui. De l'astrobiologie. Nous étudions les formes de vie dans les systèmes occupés. On tente de comprendre la faune et la flore et on recherche des applications pratiques. Vos recherches pourraient donner lieu à des avancées tout à fait miraculeuses. L'un de nous pourrait devenir le nouveau Alexander Fleming. La vie elle-même pourrait nous aider à améliorer notre qualité de vie. Vous avez retrouvé vos couleurs, docteur. On n'a pas de temps à perdre. Le lieutenant Torres, commandant de Liberastra, est enfermé dans le complexe. J'ignore combien de temps il pourra protéger ses troupes. Aux dernières nouvelles, Torres était au troisième, près de mon bureau. Prenez cette clé et retrouvez Torres. Elle ouvre tout à l'exception des portes de sécurité. Retrouvez Torres avant que ses hommes ne périssent. Bonne chance. Ah, passe médical, est-ce que c'est ça? Allez. Je sais pas si je l'ai fait. Non. Là, ça fonctionne. Bon. Là, par contre, là, il faut une clé de sécurité. Et je l'ai pas, celle-là. J'ai le pass médical, ça. Ça me fait ouvrir certaines portes, mais pas le... C'est pas encore la même clé. Cette cible est à moi. Votre allié à terre. Ça va mal finir pour toi.
du chlore. Un étage là. Allez. Allez, allez. Non, mais nickel. Ça va mal finir pour toi. Bon. Il n'y a rien de plus. Ne laissez rien derrière vous. T'as pas choisi le bonjour pour m'emmerder. Alors, crédit, cartouche. T'as rien dans le ventre, rien du tout. Les doigts dans le nez. Il y a rien. Voilà, il n'y a personne. Ou gazeuse, non? Et le Kraken, non, nul. Putain, il y a du monde ici. Alors. Kit de soins. Putain, il y a des cadavres partout.
On a la fragmentation. Encore ici. Grenade ici, crédit. Qu'est-ce que c'est grand? Ici. Comme je l'ai dit, il y a quelqu'un qui élimine les spatiards. J'arrive pas à y croire. Ils sont tous partis. Grâce à mon messie, ils ont absolument tous succombé. C'est du travail de pro. Votre unité compte combien d'hommes? Vous avez aussi des tireurs d'élite, non? Non, n'y a que nous deux. Bordel de merde. Vous avez fait tout ça à deux? C'est la routine, vous savez. On doit aider le capitaine Myong. Elle se trouve derrière la barrière. Mais elle n'appartient pas à Liber Astra. Nos hommes et nos scientifiques sont la priorité. Elle est la seule à être venue nous sauver, sergent. Je la laisserai pas tomber. Vous étiez un peu en guerre, voire aider les Marines me paraît étonnant. Ça m'est égal. Ces hommes ont risqué leur vie. Ils sont morts pour nous. Mais lieutenant, c'est Lucé, on ne peut pas... Sergent, je vous ordonne de nous aider à sauver ces Marines. Mais comment? On a une clé de déblocage manuel. Si les Marines sont toujours vivants, ils seront près de l'autre entrée. En coopérant, nous devrions pouvoir les sauver. Ou mourir pour leur cause. Des soldats ont besoin de notre aide. Vous voudriez nous aider? On aurait besoin de vous. Comptez sur moi. Alors allons-y. Voilà la clé de sécurité. Passez devant. Le capitaine est un étage plus bas. Passe de sécurité, ça y est, on l'a enfin. Grenade. Oh là, 343, 395, 218, 176, 264, 241, 288, 191. Allez. Bon, par où il faut aller? Donc c'est bien par ici. On avait devancé un peu le scénario. Donc cette fois-ci, la porte s'ouvre. Ok. Ce sera votre dernière erreur. Les spatiards commencent à reculer. Yeah.
terminé. Ah, enfin. C'est bon, il est mort. Voilà. Ces miliciens étaient plus coriaces que je ne l'aurais cru. Ah bah là, Captain Myong. Je ne pensais pas vous voir, Torres. Heureusement que vos rats sont venus. J'aurais préféré vous voir avant que Dalton crève. Du calme, soldat. L'important, c'est qu'ils aient fini par arriver. Mais c'est qui cette nouvelle tête? Une blouse blanche? Non. Pour tout vous dire, on sera encore coincé sans son aide. Ben ça alors. Oh, vous avez pas l'air d'un marine. Encore moins de la milice. Vous êtes qui? Alors. J'ai entendu suite Constellation ou Capitaine de l'Avant-Garde ou Ranger de Liberastro. Allez. Lucé paye la caution de Liber Astra. Capitaine Myong, marine de Lucé. Vétéran des guerres coloniales, le bouclier du col de Parduk, le meilleur marine de l'histoire. Et cette grande gueule, c'est le soldat Tsai. Si elle n'était pas si douée, je l'aurais assignée à la corvée de Chiot à vie. Vous avez sauvé des vies, je ne l'oublierai pas. Capitaine Myong, vous êtes une légende. J'ai entendu parler de vous quand je travaillais avec l'Union coloniale. Et vous êtes ici? Ma réputation me précède, hein? J'ai toujours voulu dire ça. Mon métier est de sauver des vies civiles. Je me suis dit que cet avant-poste de recherche correspondait à mes attentes. Si le TAMS le découvrait, ce serait la cour martiale. Le capitaine et tous ses marines, disons que nous serions tous morts sans eux. Vous bossez peut-être pour Liber Astra, mais vous êtes surtout des troufions. J'aurais pas laissé ces connards de spatiards vous tuer tous. Que s'est-il passé au col de Parduk? Une guerre. Ce col est un cimetière maintenant. De valeureux soldats des deux camps y reposent. Le capitaine Myong a tenu ce col une semaine entière contre les meilleurs mechas de Liber Astra. Quand elle s'est retirée, elle a fait exploser tout le col et un bataillon entier de mechas avec. Elle a sans doute sauvé le front de Nira. Ne croyez pas la propagande, soldat. Le col de Parduk était une sale histoire. Du début à la fin. Vous avez de l'énergie, c'est justement ce dont nous avons besoin. On s'est racheté un sursis, à l'ancienne, mais il durera pas longtemps. Ces enfoirés sont désorganisés et indisciplinés. Mais contrairement à nous, ils ont des vaisseaux. Ce qui signifie qu'ils peuvent faire venir des renforts jusqu'à nous submerger. Et alors ces sales lâches nous tomberont dessus. Donnez-moi quelques années et je fais de vous le cauchemar des spatiards. J'ai un problème bien plus immédiat, capitaine. J'ai des troupes et des civils sur le terrain. Si on n'agit pas, les spatiards pourraient les tuer. Je les laisserai pas. Quel chef vous seriez si vous le faisiez? Mais nous avons besoin de tous les soldats formés pour fortifier et rétablir les défenses. D'après Mahoney, leur dernière transmission indiquait qu'ils n'étaient pas en bonne posture. Si vous pouviez conduire votre vaisseau au camp de recherche et éliminer les spatiards... Je m'en occupe. Ils ont cessé de communiquer il y a peu. Il y a peut-être des survivants. Faites vite, et pas de folie. Sur Altair 2. Bon alors. Prenez tout ce qui peut être utile et laissez le reste. Soin ici. Alors, tac. Thank you.
Bon. Il y a une grosse caisse ici. Cartouches, matériaux. Allez, on va aller au camp de recherche ici. C'est fini pour toi. J'en ai eu un autre. Paquet de snacks aux algues. Alors, ici. Ok. Donc alors. Ils étaient beaucoup trop nombreux. Je suis qu'un simple botaniste. Vous nous avez sauvés. Que nous veulent les Spatiards? Le caporal Mahoney a prévenu de votre arrivée par radio. Mais j'ignorais si nous tiendrions le coup ou pas. On a subi des pertes. Vous êtes héroïque. J'en doute pas une seconde. Mahoney nous a conseillé de nous terrer. Il y a une grotte pas loin dans laquelle on va se cacher le temps que ça se calme. Rassurez-vous. Je m'occupe de protéger les civils. Ces Spatiards sont horribles. Au lieutenant Torres. Horrible. Remerciez Torres pour moi. Et vous aussi. On n'a rien de plus. Ça devrait être bon. Retournez voir le lieutenant. Allez, go. Jamais de visiter ce genre de planète. Allez. Mahoney a dit que le camp de recherche est redevenu sûr. Où est-ce qu'on en serait sans vous? Probablement en train de pourrir dans une tombe anonyme. Bravo à vous d'avoir accordé la priorité à cette mission de sauvetage. Notre mission, c'est de protéger les civils et de ne jamais abandonner un soldat. C'est une noble aspiration. L'honneur n'a pas vraiment sa place dans ce sale boulot. On se raccroche à ce qu'on peut. Exposez-nous votre plan, capitaine. Je pense qu'il convient bien à la situation. Les Spatiards n'ont pas encore attaqué, mais il y a des mouvements de troupes derrière la crête. Ils risquent de nous submerger si on leur laisse le temps de se rassembler. Nous devons donc détruire leur vaisseau. Il n'y a jamais un manquement d'inaction entre... avec vous. Les Marines se reposent quand ils sont morts. Je suis d'accord avec le capitaine. On ne les repoussera pas sans couper leurs renforts. Les Spatiards ont deux groupes de combat. Éliminez-les et ils devront battre en retraite. Alors sautez dans votre super vaisseau et mettez-vous au boulot. Éliminez les Spatiards Altaïr 5 et Altaïr 1. Ok.
la cible hors ligne. Bien joué. Le système de bouclier de la cible est mort. Désactivé. Voilà. Altaïr 5, allez. C'est interminable. Pour accueillir la vie. Bon, tu vas pas réussir à les avoir d'ici. Encore. Thank you.
Encore ? Chose bestiole. Pas loin. Bon, c'est bon là. Lui se cage. Allez au lieutenant Torres. Putain, Spacia. Ils sont trop nombreux. Tellement de victimes. C'est le prix du commandement, Torres. Chaque décision se paie par le sang. Ça sert à rien d'imaginer ce qui aurait pu se passer autrement. Concentrez-vous sur le bien que nous avons fait ici. C'est dit, on n'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours possible d'oublier ce qui a été perdu. Il y a certaines choses qu'on ne surmonte jamais. Vous avez sauvé Altaïr. J'ai presque envie d'envoyer un message à Liberastra pour leur dire de vous donner une médaille. Ça, ce serait le pompon. Je pourrais la mettre sur mon étagère à côté de mon étoile du mérite. Un simple merci fera l'affaire. Je préfère éviter la cour martiale. Mais vous, vous voulez peut-être votre médaille, non ? Je peux faire des crédits. Regardez-moi ce mercenaire à l'ancienne. Je ne sais pas si j'en aurais fait autant si les rôles avaient été inversés, Myong. Mais je ne vous oublierai jamais. Vous êtes jeune et vous semblez promis à un bel avenir. J'ai un conseil pour vous. On m'a refusé plus de promotions que je ne saurais le dire parce que je m'en suis toujours tenu à mes principes. Vos supérieurs vous demanderont toujours des compromis. Certains difficiles, d'autres plus faciles. Ne cédez pas. Peut-être que votre carrière en souffrira, mais je peux regarder mes années de service avec fierté. Aujourd'hui en particulier. Vous voyez ? J'espère ne jamais vous croiser de l'autre côté d'un champ de bataille, capitaine. Si ça devait arriver, lieutenant, je ferai mon devoir. Pas si je suis plus rapide. Soldats, allons, laissons les Liberastra tranquilles. Voilà. La Peacekeeper, d'accord. 5000 crédits. Bon bah du coup on va cesser là-dessus les amis. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas petite cloche pour le référencement de la chaîne et pour rater une vidéo. Et on se donne rendez-vous donc la fois prochaine pour commencer l'exploration de l'Altaïr. On va commencer par la une. Et d'ici là, portez-vous bien, bisous bien, prenez soin de vos proches. Allez, ciao.